Des ex-militants du CDP devenant ex-militants du MPP, la chose politique dans la ville de Sia est bien animée en ces jours. Si pour l'heure, ils disent ne plus se précipiter pour adhérer à un parti, leur position sur le référendum, elle, est sans équivoque. Ils sont pour. Ces jeunes des Hauts-Bassins, désormais ex-militants du mouvement du peuple pour le progrès, ont animé une conférence de presse dont le contenu nous est rapporté par Kadou Romenki. Ces jeunes que voici debout sont des démissionnaires du mouvement du peuple pour le progrès MPP, avec à leur tête Alpha Traoré, ancien directeur de campagne du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, sous-section des Hauts-Bassins. Ils ont quitté le CDP pour le MPP, mais aujourd'hui, ils annoncent leur démission du MPP. Nous, militants du MPP de Bobo-Dioulasso, avons demandé cette conférence de presse afin d'annoncer notre démission du MPP. Nous aimerions préciser que c'est en âme et conscience que nous exécutons cet acte. Un fait qui trouverait son explication à travers diverses raisons évoquées par le conférencier. Entre autres explications, écoutons. La jeunesse responsable et consciencieuse de Bobo-Dioulasso se sentant exclue des instances de décision du MPP a pris la décision en toute responsabilité de se retirer de ce parti. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases est sans conteste la désignation des responsables de la sous-section. Nous estimons que cela n'a pas été fait sur la base de la valeur intrinsèque des différents prétendants. Au stade actuel, s'il est vrai que nous démissionnons du MPP, nous nous donnons le temps de la réflexion avant de nous engager dans un autre parti ou pourquoi pas de créer le nôtre. Mais en attendant, ces démissionnaires se prononcent clairement sur la question du référendum, la pierre d'achoppement entre les différents partis politiques au Burkina Faso. Ils disent être pour le oui référendaire et la révision de la constitution burkinabé.